Bonjour. Bonjour. Alors, c'est vrai que ton neveu, c'est ton neveu, hein? À côté, oui. À côté. Mm-hmm. Il m'a expliqué pourquoi on était là. C'est vrai que c'est pour Yves Simon. Mm-hmm. Et c'est 2 ans de... Il est parti. Alors, t'es quoi par rapport à Yves? C'est là sa dernière option. D'accord. Oui. Donc, on a profité d'aujourd'hui de se réunir avec ses amis pour commémorer ce jour. D'accord. Donc, on est tous là ensemble. Je te remercie. Merci, oui. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Ça va bien. Alors, je sais que tu as soeur à Yves Simon. La grande soeur ou la petite soeur? La grande soeur de Yves Simon. Oui. Alors, on a dit, hein, on est tous là pour rapport à Yves, hein? Oui, oui. Ouais, d'accord. Bon, ben, on se rejoint, on suit? Oui, oui. D'accord. C'est quoi ton prénom? C'est Ghislaine. Ghislaine. Oui, oui. Alors, Ghislaine, on va suivre. D'accord. Ok. Merci. Mais il faut dire que tout c'est là, vous voyez, là aussi qui a participé. Voilà. Parce que ni la maman, ni la tante et le grand frère. Voilà. Donc tout le monde participe. Ouais. On va dire ni l'argent, on va dire ni l'argent. On va dire ni l'argent, on va dire ni maison, on va dire ni l'argent. Si on a l'argent, on va dire ni maison. Si on a ni l'argent, on a décrépé Barbello. Si on t'a mis l'argent, on a décrépé Barbello. Si on t'a mis l'argent, on a décrépé Barbello. Mais nous, 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 Alléluia. Amen. Ça nous faut là. Amen. Ibo. Voilà. Voilà. Côté Gadile, Ibo bien. Les Ibo bien. Les Ibo bien. Voilà. Donc tout ça, on peut nous attraper. Et nous, là, toujours, pour nous, les autres, nous ne pouvons pas oublier les autres. Pourquoi la race mentale? Pas qu'à oublier les autres. On ne peut pas. À chaque fois, un petit moment, nous ne pas. Encore un petit peu. En bas de l'égalité, en bas de la société, en bas de la généralité.
Yo ka fere chive rayo. Yo ka porte bel jour. Je veux me libérer. Je veux me libérer. Nem café, nem misère. A pa blanca fessa. Madame, excusez-moi, excusez-moi. Chez Mourisa, on a demandé si c'est la première fois que vous chantez. Je n'avais jamais vu vous chanter. Donc, vous chantez en live, bien sûr. J'ai demandé, Mourisa, comment ça s'appelle, Joseph a dit, il dit, chantez au milieu de vous. Il dit, ok, il a chanté. C'est la première fois que vous chantez. Il a chanté, c'est bon, c'est bon, il a chanté. Il n'y a pas possible de mettre le milieu de ses premiers mots. Vous savez ça? Oui. Pète décorateur. Oui. Et c'est quand l'un de Riva Gadou Massé, comment fait Pète, il dit, mais vous savez, à sa peine, à ce qu'ils ont sa peine, il dit, mais c'était travail, moi, c'est Pète. Avec le libidum, ouais. Ouais, je ne savais pas qui était Pète. Pète décorateur. Et il avait beaucoup de crayons sur le dessin du cahier. Ah, beaucoup de crayons. Il était complet. Oui. Il était complet. Blagueur, mais complet. Blagueur avec raison. Blagueur avec poème. Blagueur, parce qu'il faut dire que qui nous veut pas présent, et que même ces jeunes-là, on leur sont de vie. D'accord, pourquoi on fait ça? Parce qu'à présent, ils sont présents, au bout de 2 ans, ils commencent à passer toute vie des Waibo. Donc c'est quand il y a pas vrai, qu'il n'y tient pas autant, les paroles n'y tient pas autant. Et en plus, c'est quelqu'un qui peut être fier de votre frère, de votre femme, de votre oncle, de votre tonton. Parce qu'il est parti de rien. À 14 ans, on a dit l'histoire, il est parti de rien, autodidacte. Il était politicien, acteur, chanteur. Il a eu d'autres corps de corps. Ou du millier, apparemment. Donc c'est un homme complet. Et c'est cela qu'on doit prendre l'exemple. Moi, j'ai pris l'exemple. Je prends souvent, quand je pense à lui, je prends son exemple.
Et puis ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'aujourd'hui, on a pu réunir les jeunes, les vieux, et si justement les jeunes, de dire génération à génération. C'est bon, un petit jeune qui parle avec moi tout à l'heure, là, celui qui a la casquette. Justement, tu me disais quelque chose, c'est bien quand vous les jeunes nous parlez, c'est le jour de parler pour dire ce qu'on pensait de Ibo, soit entendu, d'accord, c'est le moment. Tu m'as parlé de la relève, moi je te dis, il n'y aura jamais deux comme lui. Même s'il veut essayer, il veut que je réussisse. C'est fini. Ouais. Donc, je peux rien dire d'autre, parce que c'était l'unique. Et en tant que jeune, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses de ce qu'il a fait? Qui est-ce qu'il a été? Ce qu'il faisait, en tant que temps, c'était une machine. Et je pense qu'aujourd'hui, la cité, là, on a dit qu'il était réussi à combler tout le manquement à nous. Mais au moins, il était réussi à décohabiter quand même. C'est une pression. C'est la vérité. Moi, j'ai 28 ans. Alors ça prouve que Ibo a passé les générations. Mais bien sûr. Parce que de son âge à lui, à ton âge à toi, c'est clair. Il doit avoir 3 générations. Ouais. C'est pas ça. Parce que moi, quand j'étais petit, moi je le voyais dans des interviews avec son petit avec petit t-shirt à petit casquette à de toutes les façons. Aujourd'hui, traverser le temps, comment on dit ça, perpétuer, garder la culture en génération. Bien sûr. Dit, ouais. Parce que finalement, on vient mis tout ça parti. Finalement, on parle de vie éternelle. La vie éternelle, c'est quoi? C'est de laisser quelque chose qui se puisse se perpétuer de génération en génération. Et c'est ça qu'a fait là. Je te dis combien de générations? Il y a le plus jeune là, c'est qui? Voilà. Le plus jeune parmi vous, c'est qui? Le plus jeune, c'est Adrien. Mais Adrien, c'est la question à laquelle tu vas dire. Venez, c'est le moment. Tu as quel âge, Wawa? Vous tous, à 26 mois, à 24 ans. C'est ça qu'on te l'a dit. C'est ça finalement. Parce que nous, quoi, pas d'y arriver, mais finalement. C'est comme Madame Moulin, c'est deux. Timide. Allez-y, vous avez quelque chose à dire, c'est le moment, c'est le lieu pour vous dire, allez-y. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire, hein. Comme Loïc a dit, hein, à la télé, tout son monde, c'est un bon monsieur. Il a beaucoup apporté à la Guadeloupe, et puis respect à lui. Hein. Moi, personnellement, je n'ai pas eu trop le temps de le connaître, puisque bon, je suis un petit peu jeune, tout ça. Mais bon, voilà, hein, par les dires des personnes, même par M. Coupin, je nous a beaucoup parlé de lui. Donc voilà, un respect pour lui et puis à son âme. Par contre, j'ai vous demander, au niveau de vos cheveux, vous avez pris la décision et une prise de connaissance ou bien... De? Au niveau des cheveux. Oui. C'est une prise de connaissance ou de conscience? Comment ça? Comment les a laissé pousser? Oui. Par rapport à lui, par rapport à... C'est un effet de mode. Ouais, un effet de mode. Pourquoi il te pose la question? Parce que le premier Rasta, la Guadeloupe, c'est impossible. Non, franchement, moi de base, c'est que j'avais déjà les cheveux très jeunes. Ah, d'accord. Mais bon, comme je n'aimais pas me coiffer, donc maman a tout coupé. Et puis quand j'ai grandi, j'ai voulu voir les cheveux. Et en rentrant, tu n'as pas dit, Il va jouer maintenant.
après ça, quelques années après, on avait la télé, qu'est-ce qu'il faisait? Moi, oui. Alors, la mande, comment elle m'a mandé? J'ai une question à poser à la famille, là. Hein. Mm-hmm. La famille, bien sûr, c'est pour moi, tout le monde, on est famille. Hein. Ouais. Si on est là aujourd'hui, hein, j'aime beaucoup parler, je m'excuse. Hein. Ouais. Si on est là aujourd'hui, c'est quand on fait partie de la famille. Tout le temps, merci. Quelqu'un a été proche de lui. Mm. Tout le temps, ça veut tout dire. Ça peut être psychologiquement, ça peut être aussi une autre façon d'être proche de lui, d'accord? Mais particulièrement la famille, là, est-ce que c'est quelqu'un que vous avez été fier de lui? Mais oui, ça se pose pas la question. Plus que fier. Mais, non, c'est non, pas non. Ça. Oui. Mais plus que fier. Dans les familles de voleurs, mm-hmm. il y a certains qui ne les rejettent jamais. Voilà. Il n'a pas été un voleur, mm-hmm. il n'a pas été un assassin. Voilà. Il n'a spolié personne. Voilà. Donc je ne vois pas pourquoi. Mm-hmm. Donc c'est la on est toujours resté en retrait, effectivement, de ces affaires. Parce que vous n'étiez pas fait de public. Voilà. Voilà. Je n'ai pas tellement. Mm-hmm. Toujours resté. Bon, on le suivait. Ah, ouais. Je me souviens, j'étais chez ma tante, il était combien de temps d'années dans les pays où on n'entendait pas parler de lui. Alors, on se fait le monde. Même en Russie, tout ça, on ne savait pas. Tout tu veux, il y C'était un troubadour ce gars-là. C'était venu pour ça. C'est qu'il a été de passer par là, par là pour te faire les autres aussi, tout à fait. Prends conscience. Ça n'est pas dans, il part, non seulement il ça, fait, mais fait, il comprend que c'est accessible. Il part dans des études de tout ceci. Il trouve les moyens de mettre ça et qu'a dit. Tout à fait. Après, voilà. Tout à fait. Mmh. Donc n'importe qui laisse faire, même bien là aussi. Voilà. Oui. Vous savez, je ne vous cache pas. Avant de partir, Ibote est là. On voulait quand même, je voulais quand même présenter deux personnes qui ont été chères à lui, Tilly. Ah oui, Martha, ça fait ça. Ça fait oui, et son frère. Comment ça va? Non, mais pas, je reste toujours fidèle à Ibo et la famille. Oui, ça va. Bien sûr. Va. Attends, je vais me rapprocher pour le mot. Ému. Hein? Alors, c'est vrai que on passe la journée avec Ibo. Oui. Dis-moi quelque chose. Bon, ça fait 2 ans que Ibo il nous a quittés. Et c'est vrai que c'était quelqu'un qui était très, très, très important pour moi. En tout cas, je le considérais comme un père. Il n'avait pas d'enfant, mais il m'a toujours considérée comme sa fille. Et donc, ça m'a fait mal parce que j'avais perdu ma maman en juillet. J'ai perdu ma sœur en août et je l'ai perdue en septembre de la même année. Donc, c'était un peu dur pour moi cette année-là. Et que j'ai appris qu'il était parti, bon, je me suis dit encore une personne. Mais bon, il vit dans nos cœurs et voilà. Avec les bons souvenirs. Ah oui. Voilà, avec les bons souvenirs comme vous avez dit. Et voilà.
Très bien. Merci. Depuis que je suis à Paris, je ne cesse de penser à vous. Je vous parle du ciel de Paris. Il ne vaut pas le ciel de chez nous. Oui, toujours, il est au de cyclone. Et le soleil, je n'en ai jamais vu. On a soleil là, même là, on a aussi le soleil, tout le monde est haut. Et le temps est toujours au Moussarade. Dans la Babel, même on peut pas ouvrir les jeux. Tu sais, maman, j'ai pas beaucoup de temps. Non, pas ni temps, on t'en a raconté, moi, c'est de te parler de la vie de Paris. Ouais, si c'est moi, parler de la vie à Paris, toi, puis t'as dit. Car tu sais, tout le monde est pressé. C'est chacun pour soi. J'ai pas encore le temps d'aller voir. Tilly, oui. Tu peux pas manger tout ça, manger. Oui, je peux. Mais je cherche à savoir toute la vérité sur ma race noire. Ah oui, l'esclavage existait, c'est grâce à moi après tout. L'antiquité, autant des négriers, autant des cocotiers. Je crois que c'est du passé, mais c'est existé. Même si je dois mourir un jour par des mains criminelles, j'ai pas peur de la mort. C'est peut-être mon destin ou leur seule chance. Mais si je dois mourir un jour par des mains criminelles, j'ai pas peur de la mort. C'est peut-être mon destin.
Comment ça va, Pierre-André? Jusqu'ici, ça va. La deuxième édition de la mort de Ibo Simon. Ouais. Ibo Simon est parti. Alors, c'est vrai que aujourd'hui, on va essayer d'enlever une gamme de t-shirts qu'on a parlé tout à l'heure. Ouais. Alors, bon, Pierre-André, oui. Quand on y a dit, dis-moi ça, oui. Eh bien, tu vois que, enfin, okay. Ouais, que Ibo est parti, là il est parti. Là il est parti, c'est là tout le monde a dit quoi voit Ibo par là. Si Ibo était là, il était car dénoncer tout ça qui n'est pas bon. Ça nous a fait pas bon, lui il a dit ça. Il dit nous quand il parlait, nous pas arrêter de parler. Au bout du compte, pas ni rien là. Hack pas j'ai fait. Bon, ben, vous savez, nous n'y coupons là. Coupant Guyane. Il va se présenter. Chaque fois qu'il va sortir Guyane, pour venir, depuis c'est pour parler d'Ibo, pour honorer Ibo, il va répondre présent. Nous, quand on veut, nous, dans le restaurant, le Raoult, à Saint-François, c'est un restaurant, souvent, Ibo t'a venu manger avec nous là. Il y avait moi-même. Vous connaissez ça parce qu'on a eu l'occasion de venir en même temps qu'il. Rosan, même au vin, là, il beau. Oui. Rosan, c'est Rosan cigare. Ah, pas cigarette, un cigare. Nous, ni Jeanne, là. Jeanne, pas même de connaître Ibo. Si, je le connaissais très bien. Ah bon? Ah oui, après ta bite, quand on allait après ta bite, alors c'était la personne qui mettait de l'ambiance, ouais, et qui nous faisait parler au micro. Donc, c'était un plaisir de l'écouter. Ouais. Enfin. Pour connaître tout ça, Ibo t'aime manger, c'est Oahu à trouver. Ni cagade, ni patate douce, ni zir, ni fouille à peine, ni manger à Guadeloupe. Manger en nous. Et c'est ça qui rend ces sportifs en nous là. Solide, ni cagade. Depuis que tu dis, sorti en banc victoire, qui a venu en Guadeloupe, et tu vois, il revient sous saucé en Guadeloupe, en l'emmène là pour manger à pays là. Quand tu vends l'eau, tu peux manger ça, tu ne peux pas faire ça, mais c'est ça que nous devons manger. Les gens comprennent que si le bateau n'est pas rentré en Guadeloupe, nous devons faire. Ils ne peuvent pas tromper. Pour j'ai pas ni fruits à faire en Guadeloupe. Pour j'ai pas ni zyam, patate douce, camagnoc. Pour j'ai pas ni poisson, langouste, lambi. Kani période d'ailleurs, mais nous kani. Alors on est obligé de faire ça en façon de Ibo Simon parce que c'est pour nous là, j'en ai qu'à garder les t-shirts là qu'il m'a dit. Alors tout famille à Ibo, en pâté peut être présent à Bastère. Mais on va toujours qu'à rattraper moins. Pour un bout, c'est fait. Tant pour Ibo. Tant pour la Guadeloupe, Ibo Simon, qui a dénoncé tout ça n'est pas bon, il n'est pas là où tu es bon, il a dit oui, bon là où tu es bon, il a dit oui, pas bon. Et il fait ça pour dire tout ça était mauvais en Guadeloupe, il était juste venu avec caméra Manaï. Filmer tout ça n'est pas bon, il était qu'à mettre les baillots. Mais on dirait pour yo, Ibo, Pateni, Capes, il n'est pas ni BTS. Il parlait ni ses bitons, ça il a dit pas t'es bon. Et c'était la vérité, il a dit. Et si nous t'es qu'à suivre, si c'est responsable politique en nous là, t'es fait l'eau, à dans ça, il t'es qu'à dire. Puisque pendant pas mal de temps, il était à la région, en tant que Lucette Pijapati, Lucette Michaud Chevry. Là, Lucette était là, il botte à la région avec eux aussi. Et t'es qu'à signaler tout ça. Qui partait normal en payant nous là ça, il a dit ça. Mais comme c'était Ibo Radi, ça partait ni pour valer pour eux. Eh bien voilà, eh bien, en cas de voyant gros force remis, et la famille met aux fleurs, à Gosier, à Motoban, je peux crier, côté clinique là, c'est là la famille met aux fleurs, c'est vous qui. Ramasser Ibo là, Ibo en difficulté. Là, il était très malade. C'est la famille Mirefleur qui ramassait, qui était occupé d'elle. Ça, quand l'eau partit, mon politique, il a dit, pas de droite,
ou pas de gauche, yo kon la moun disparaît combien de temps en Guadeloupe avait yo vinn paraît, c'est yo qui a l'honneur. Et il botte la te ka dit tout ça qui était pas bon. Pour yo te fait bon bitin, là on va dénoncer ça qui pas bon. Ça veut dire que c'est pour faire ça qui bon. Voilà, encore quoi, souvenir habitat dit. Non, mais ça va, mais c'était la famille, il fallait surtout saluer. Alors, Nicole. Présente-toi. Coupant de la Guyane. Ouais. Nicole et Thierry. Saluer Nicole, Thierry, la famille Beau, à Basse-Terre. Et puis merci pour l'accueil aussi à Basse-Terre samedi. Les gens ont aimé, ont apprécié. Et l'année prochaine, on sera là pour les 3 ans de vie. On sera là pour les 3 ans de vie. Si Dieu veut. Mais pour nous organiser bien. Alors, pendant que je te tiens, Coupin, qu'est-ce que j'allais dire? Alors aujourd'hui, je sais qu'il y a une gamme de t-shirts qui sortira, hein, avec l'effigie de Dibou Simon, et que ces fonds soient destinés à améliorer le caveau Dibou Simon. Alors, je sais que quelque part, tu es à l'origine de ce t-shirt. Mm-hmm. Hein? Alors, qu'est-ce que tu en penses? Alors, on est à l'origine. Ouais. C'est Pierre-André, c'est toi, Romy, c'est Pascal, c'est la famille Beau, c'est moi. Ouais. On est à l'origine. Oui, bien sûr. Nous tous, c'est ensemble plus fort. Mais oui, on va lancer la marque Beau Simon pour les 3 ans. Et on réfléchit sur ce qu'on va faire, t-shirt ou autre chose. Parce qu'on a un lobby à faire. On a toute l'année pour y réfléchir avec Thierry et la famille de Hugo. Oui, on va lancer la marque en 2025. Très bien. Très bien. En 2025. Alors Pierre, on va dire que pour ça. La Guadeloupe et les Guadeloupéens. Enfin, ce que vient de dire au coupon, que c'est ensemble nous plus fort. S'il faut nous toujours rester ensemble pour nous plus fort, nous que rester ensemble. Ça va plaire? Exact. Bon, ben, à quel point il faut moi essayer d'arranger les choses pour nous rester toujours ensemble. Absolument. Parce que nous allons rester ensemble depuis avec M. Cigar, depuis combien de temps nous ensemble? Nous pas ensemble pour le monde à comprendre. Mais il y a une considération de camarades. Il y a une relation amicale. Amitié qui a duré depuis pas mal de temps. Les rencontres ont commencé depuis mon retour en 2012. Ouais. Ça fait 12 ans. 12 ans. Présente-toi. Rosan Cigare. On m'appelle Rosan. Donc, je suis avec l'équipe. Et nous œuvrons pour toutes les bonnes choses et pour effectivement faire penser, ne jamais oublier Hugo. Parce que Ibo a travaillé pour la Guadeloupe et a travaillé pour les consciences de la Guadeloupe. C'est très important. Donc on ne va jamais l'oublier. Et s'il y a quelque chose à faire pour lui, pour que sa mémoire reste toujours là, on dirait que sa mémoire reste vivante, on va le faire. Voilà, je te remercie. Bonjour, alors toi tu t'es présenté ou pas? Oui, je me suis présenté, je m'appelle Jeanne Singaret. Donc je connais Ibo donc, à Pointe-à-Pitre, hein, je l'ai connu à Pointe-à-Pitre. Donc avec ma fille, il aimait beaucoup ma fille, donc chaque fois qu'il nous voyait, il venait vers nous avec son micro et il nous faisait parler, donc il nous faisait rigoler. Et puis je le connais aussi par le biais de mon frère qui a la boucherie à Spaï, Daniel. Oui. En plus, c'était un très très bon copain lui. Voilà. On allait manger assez souvent. Là-bas. Effectivement, parce qu'il me disait beaucoup de bien d'Ibo. Et c'est tous les samedis, Ibo était chez lui. Voilà. Venir manger du Colombo de Capri. Voilà. Ouais. Merci Jeanne pour Ibo. Alors, tu vois, il y a des gens qui aiment. Il est même trop aimé. Quand tu es trop aimé en Guadeloupe, les jalousies apparaissent. Il y a des gens qui sont jaloux. Et du moment qu'il y a jalousie, il y a des méchants qui apparaissent aussi. Alors tu vois, c'est problème en Guadeloupe. En Guadeloupe, fait quelque chose de bien, il faut combattre lui. Il faut combattre lui, mais là, il laissait à force de combattre lui. Il est obligé d'abandonner. Mais pas ni point, il n'y a pas fait ça, il n'y a pas là. On n'y a pas gardé, il n'y a pas. Mais qui nous a fait ça pour te café? Je vois pour moi. Voilà. Pour ton t-shirt. Voilà le t-shirt de Ibo. Et au dos, qu'est-ce qu'il y a? Regarde bien devant.
Ça vient de lui. Ah bon. D'accord. Il est sorti en Guyane pour venir nous apporter ça ici. Et les Guyanais et les Guyanaises là, Pierre-André Paca, oublié ça. Là, monde fait du bien, il faut qu'on reste là et on ne peut pas oublier. Si coupant là avec nous, ça veut dire que ça veut dire. Mm-hmm. Alors regardez derrière. Ah ouais. Voilà. Yvon, monsieur Rosan. Oui. Alors, les camarades de Guyane et de Martinique. Dominique, vous savez, vous êtes capable Haïti, tout partout. Jamaïque. Vous connaissez dans l'objet, vous ne pas parler. On dit. Alors, c'était Ibo, était pas. Il était mondialement connu. Parce que. Un jour, on m'appelle de Paris. Pierre. Arrange-toi, il faut que tu nous envoies Ibo à Paris. Les gens réclament Ibo à Paris. On prend tout en compte. C'est-à-dire, billets d'avion, l'hôtel, voiture, on le récupère à l'aéroport. Mais Ibo, c'était si je dois mourir un jour. Ouais. La prière et compagnie. Mmh, la lettre. La lettre. Si on tenait l'argent. Si on tenait l'argent. Si on tenait l'argent, on est ça là. Eh bien, on croit vrai, il faut faire l'eau butin qu'il a. En l'eau, on a fait ça, il a apporté une lettre. Il n'a pas répondu à la lettre. Ibo, à partir de qui. À partir de qui chantait. Un jour, Ibo a dit en pire, il faut venir pour moi. Regardez-moi, côté la poste Gosier, il y a un orchestre. Encore, il a joué batterie. Il dit, il a joué batterie. Avant d'autres jours, il a invité moi, on a joué guitare. Après ça, il m'a dit qu'à chanter. Il m'a dit qu'à chanter. Et c'est là, il a dit, puisque on va chanter comme ça, nous peut reproduire. Nous, quand il voit Debs, nous qui faisons un CD, bah, en trace à télé, c'est pas CD le passage. Hein? Alors là, regardez, c'est comme ça, Ibo Vin, musicien, chanteur, acteur. Vous aurez changé Mamito. Mais oui. Il était acteur. Moi aussi, voilà. Politicien. Mm-hmm. Ibo était à la région. Ibo mettre. Mais prêt-à-pitre en balotage, monsieur Bangou. Enfin, je réfléchis. Les gens qui sont dans la politique, qui a fait à peu près comme Ibo, je trouve pas. Il y a tout, c'est politique. Mais fais ça, Ibo, fais. Rentrer dans tout le bitin. Et fais mon connaître, lui, à niveau là, il fait là. Il était unique. Et vous savez, pour ne pas aimer un monde, pour ne pas oublier. Voilà. Pour ne pas oublier un monde, pour mettre un bitin capoté noyé. Absolument. Pour bitin pour capoté noyé. Ça, c'est sûr. Et encore, les gens qui ne vivent pas même vivre en Guadeloupe, bitin capoté noyé. En par contre, pour le monde. Mais si tu as eu là, il faut que tu aies eu un bitin capoté noyé aussi, parce que ce n'est pas fait pour le monde mal. Au contraire, il fait mal. Parce qu'il finit très mal, il finit malade. Et quand on dit c'est la grâce à la famille Mirefleur qui pointe, souvent tes capacités, capacité, sans tes peines, n'est-ce pas, monsieur Roun? Tout à fait. Alors lui qui est derrière là. Sans te couper, Ou tu es resté l'un des meilleurs amis à Ibo, ou resté jusqu'au dernier moment. On a parlé de ça ce matin. Ouais. Il y a des gens qui sont restés derniers. Il y a ceux qui sont venus pour juste montrer qu'ils étaient là, pour que vous soyez dans Ibo. Mais, tu as fait mon voyou. Mais moi je connais les gens qui étaient avec Ibo. Voilà. Alors tu entends, pourquoi vous êtes un ami, en cas considéré, en pas qu'à oublier. Un ami. A plus forte raison, là, on rend moins service. C'est ça. On est regardé, coupant qu'il a. Là, il y a une sélection Guadeloupe en Guyane, ou pas à disposition à sélection là. Tu sais, en Guyane, c'est pas
Monalo. Ah ben non, mais non, mais non. C'est pas Monalo, Pointe à Pitre, c'est Monalo, Moulou, mon, c'est pour ça, lui. Ben oui. C'est 100 et 200 kilomètres. Oui. Et lui, quand les coureurs lui dit, où ça, en bas de boyau, déraillé, moi écrasé, chaîne en moi. Il a dit, mais quand il cherche le sabbat, il a dit, non. Qui c'est? Il y a une personne qui est arrivée là. Oui. On nous met un coup de caméra. Tout à fait. Oui. Enfin, comme justement, Igbo Simon avait toujours l'habitude de dire, il y a toujours un début, il y a une fin. Et toujours des gars aussi, télévision va marcher sans publicité. Même ces t-shirts là, nous avons fait marquer Igbo Simon là. Faut payer ça parce que ça faut faire une feuille et ça n'y a pris. Alors nous avons fait pour tout le monde qui portait à Igbo. Mais faut yo savoir que monsieur Coupin qui a fait ça depuis en Guyane, faut expédier en Guadeloupe, comme c'est qui prend décision là des feuilles. Et il est très motivé et en souvenir à Igbo, ça. Igbo marqué. Pour un Guadeloupéen qui défend la Guadeloupe comme ça, il dit encore, on ne peut pas mettre tout de suite Igbo dans les oubliettes. Alors, c'est pourquoi quand nous avons fait un effort avec Monsieur Mifleur, Romy, avec Coupin, avec d'autres supporters à Igbo qui voulaient jouer nous. Niti Missiana Kolouso, qui t'aime Igbo, l'eau, Pierre Igbo. Ah, c'est bon, moi. Hein? C'est Landry. Et Landry c'est même. Landry, dis-moi, il était qu'à. Vous connaissez la boulevard Voltaire à Paris? C'était coin, il y a aussi boulevard Voltaire, Nation. République. Ouais. Tout pour faire la chaise, tout ça. Là, il y a intégré l'eau guadeloupéen qui ne veut pas intégrer à Casayo. Ben, Abel Landry trouvait ça que nous avons fait là. Très bien que nous pas qu'à oublier le monde qui fait. Bien. Avant, pas les autres de Coupon, mais c'est qui se Coupon. Bon, bien. Alors, tout à l'heure, il y a eu beaucoup de caméras. Pour y opérer ça, qui monde qui coupent. Voilà, alors, qui monde peut-être ni d'autres camarades qui pas présents. Parce que nous décidons de ça, parce que coupant vini, il faut être pour un avion demain pour entrer en Guyane, demain matin. Alors, c'est pour ça que nous faisons un petit déjeuner là, nous faisons là, waouh. Nous invitons Monsieur Rose sans cigare. Nous invitons Jeanne Saint-Garin avec Fiaï. Et nous passons un petit moment qui était super. Pourquoi vous accueillez moi, Rose? Vous une fois encore. Mais non, tous les problèmes que vous pas moi. Eh bien, Monsieur Mirefleur, qui monde nous oublié qui était là, qui nous pas parlé de. C'est mon qui est d'autres départements, c'est-à-dire Martinique. Oui, mais il nous manque quand même quelqu'un. Il manque Pascal. Je ne sais pas si vous voulez que Pascal il a un petit problème de famille. C'est pour ça qu'il ne nous a pas rejoint. Mais il manque Pascal. Ouais. Il manque Pascal Abata. Ouais. Pascal, oui, vous. Ah ben, il manque Pascal, il manque les camarades qui ont l'habitude d'être avec nous de la Martinique. Oui, tout à fait. On l'a bon ami sur Roger Marcel, Cadian, Père, Pierre, Igbo, c'était Bougan moi-même. Oui, monsieur. Alfred de Fontis. Oui, c'est Alfred, c'était producteur aussi. C'était. Il était quand considéré qu'on fouet lié avec Igbo, c'est pour ça qu'on regarde du monde. Des fois, pas ni Martiniquais là, Guadeloupéen là. C'est un bon monde et mauvais monde, tout partout. Autant qu'il n'y bon en Guadeloupe, c'est autant qu'il n'y bon en Martinique. Quant à mauvais ni mauvais, tout partout. On dirait, côté les mauvais même, ça en augmentation.
Ah ben les camarades qui en Martinique changent que Pierre-André Pacquat a oublié les autres. Les télévisions qu'on a TV, Zouk TV, tous ces camarades-là qui reconnaissent à travers le sang à Dila, savent que nous pas qu'à oublier les autres. Martinique, on y camarades, même camarades, des frères, on va considérer comme des frères parce que tellement nous avons passé bon moment ensemble et ni respect entre nous. C'est ça, l'important, c'est ça. Et bien voilà, grosso modo, c'est ça que j'ai à dire. Alors pour finir, on va revenir à Guyane avec Coupin, avec mon dernier là qui a trouvé en Guyane, qui serviable. Passé serviable, là au moins des habitants. Il va même changer quelquefois il prend avion là pour venir en Guadeloupe. Depuis au moins des derniers là, au palais de Guadeloupe, il a dit quittant mon ride. Il a dit est-ce que j'ai un billet là? Il a dit qu'il trouve un billet. Mais qu'il est là. Puis dimanche, il y a un souvenir. Molière jeune à Campé Jean de Bertrand. Ça se lave nous. Ibo tenir c'est à Molière, t'es malade à Ibo. Toute émission nous t'es fait, faut tenir toute émission là. Bien tout ça, bien c'est des rangs à parler. Alors même si vous parlez, nous changez que nous parlez de nous en cas de service, soutien et souvenir à Ibo. Parce que nous sommes ensemble, il était capable de tout le monde. Et belle serre là. Alors, quand il dit, Bert, on va parler de Bert, il dit, ouais, c'est à la même. Alors, on peut dire, oui, bonjour. Bon. Alors, M. Molière, jeune, dimanche, c'est comme là qu'il y avait. Mais encore, quoi, pendant qu'il y avait, on peut dire, un petit pensée pour Ibo Simon. Parce que c'est un mot, c'est un mot fait même. Et nous ne pouvons pas en qui mettez dans les oubliettes comme ça. En cas que vous en disant des pays sans trouver, excusez-moi si je n'avais pas dit plus, les amis qui l'autre côté à l'eau là, c'est-à-dire, qui va dire ça? L'Hexagone. L'Hexagone. A bien changé que, en cas remplacé Ibo en parole pour vous autres, que si c'était là, il était qu'à changer les autres, il était qu'à pour ses courage, les autres, tout. C'est mon nom qui en frigidaire là, il était qu'à dire. Mais en ce moment, en Guadeloupe, nous n'y chalet la pluie. Un jour chalet, un jour la pluie. Un matin, la pluie, après-midi, chalet. C'est comme ça que nous vivons. Mais nous en mai, comme ça, parce que Guadeloupe en nous. C'est là que nous faisons. Et après moi qui dis, des Allemands sortis faire le tour du monde. Ils ont fini tout du monde en Guadeloupe. C'est eux qui disent ça. Ils ont dit, le plus bel pays au monde, c'est la Guadeloupe. Ils disent, au Caï Saint-François, il y a une température. Au Caï Désenouvé Pentapit, il y a changé de température. Au Caï Rivé Capesté, il y a d'autres températures. Bastet, Goubert, et soufflé en d'autres températures pour monter la soufrière. C'est seulement là, pas Pierre-André qui dit ça. Il dit qu'il est sorti vers le tour du monde. La Guadeloupe, c'est un bel pays. Alors, comment dire, c'est Guadeloupéen en nous là. D'accord avec les autres. Là, il faut nous faire respecter nous, il faut faire. Et faire ça, il ne faut pas faire profitation sur nous. Parce que c'est ça qui nous profite, on vive ça. On vive ça si un terrain nous n'y a gosier et il faut connaître le terrain là, il te connaître moi, il te savent combattre moi. C'est pour ça qu'il y a une grande amitié forte entre nous, parce qu'ils savent qu'on n'a pas un monde qui a baissé les bois. Et c'est pourquoi on lave les autres dis là, parce qu'on n'a pas qu'à baisser qui l'autre moins. Et si on n'a pas baissé qui l'autre moins, Christian Merlot va déjà venir champion de France. Bruno Zadig, Paté Jaille, pour toutes ces meilleurs Français-là, au Adam, lui qui a pu en course internationale, qui fait
ils mettent dans les journaux là, Bruno le magnifique. Le patron s'appelle Bruno Zadig. En France, à part France Antillon. Et, il y a un petit problème. Il dit Bruno va travailler. Il crie Mère Sainte-Rose. On dit, il parle comme Bruno va travailler. On a invité. On vient avec France Cycliste. On dit, gars, ça. La Bruno, écoutez-nous, il y a Jalabert, mon frère, nos monde qui. Jalabert reste au moins 5 ans meilleur coureur du monde. Et Bruno a qui pulvérisé. Tout de suite, il fait Bruno venir la mairie Saint-Rose et il a travaillé. Et il a travaillé. Rosan, il a fait pendant qu'il a monté bicyclette. Et il a fait après qu'il a monté bicyclette. Sans l'eau, mon crap. Papa pas dit. On a dit, on pas ni diplôme, mais mi résultat, moi. Mettre ta zone à côté, comme ça, on ne doit la parole. Si ni on a Guadeloupe, ni sans un résultat, sans rappel, on va parler de quelqu'un en cycliste. Parce qu'on est obligé de faire un bit, un con, un style, il bosse mon bazot. Mais on fait occuper des rouges, des amis, boxe. On occupait des footballs. Avant, on connaît Fred Séverin, Moulien, Azou. Tu connais Moulien, tu es là pour vendre l'eau, misère, Fred. On créait des boxes, on créait des cyclistes, et on créait, ni moins, toujours là. Et souvent, on a dit, c'est mon âme qui est en politique là. Il n'y a pas foutu parler fort comme moi, on a parlé fort, parce que je ne peux sans faire. En fait, il y avait l'argent. Au moins, physique en moins. Yo ka profiter de l'argent à impôt, à contribution, yo ka voyager, yo ka profiter de billets d'avion, yo ka yon l'hôtel, yo pa yon 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 payé. Mais moi, faut te payer là, on te kamen de courir mon championnat de France, c'est tout partout on te kaye. Ces clubs là, yo te ka dit, vini, mais là yo vina, un mois après, yo pe pas bon manye, mais moi, pour réputation, moi, on te ka obligé à assumer. En tout cas, obligé d'assumer, en tout cas, rester, vous savez, un jour, nous, peut-être que vous en connaissez, en tenir un magasin à des Tropical Music avec des camarades, dont Éloge Fila, René Gabin. Et bien, ça avait ça, en tout cas, Viva, Ken, moi, t'ai fait entraîner ces cyclistes-là, et faire ces résultats en fait là. Alors, si on arrivait à envoyer deux coureur guadeloupéen au championnat du monde. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas de permettre ça, il n'y a pas de faire ça. C'est le monde qui a fait ça, vous aidez les guadeloupéens. Monsieur Christian Merlot et Bruno Zadi. Pour le monde, pour les gens faire ça, il n'y a pas de main non plus au réveil. Parce que vous n'avez pas de patience, ni là. Vous n'avez pas de cœur, santé qui a fait la con. Et avec rigueur et discipline, tu es là. Excusez-moi, je souhaitais que des millions, mais. Pour que les gens bon. Parce que moi, c'était des aides matin. Voilà, Mister. Romy, pour le moment, Pierre-André K. stoppé là. alors, est-ce que nous passons une super journée avec Ibo Simon? Je pense que oui. Et puis, la famille a apprécié, les amis ont apprécié. Et puis maintenant, le t-shirt, comment on parle du t-shirt? Ben, le peuple, vous avez de quoi, comment j'ai dit, d'avoir un souvenir d'Ibo Simon. Alors nous allons arriver à la fin de l'émission. Le mot de la fin, on va le donner à Pierre-André, puis on va le donner à quelqu'un d'autre. Ok, ouais. Allez-y, Pierre-André. Allez, les amis, c'est-à-dire Guadeloupe, Martinique, Guyane, l'Hexagone. Le monde qui te connaît Ibo, Pierre-André Cavoyer, force et santé basse. Bon courage et à bientôt. Monsieur Rousseau Anatole. Ibo, on peut pas t'oublier, Ibo. Mais là où tu es, pense à nous. À bientôt. Nous, quand la Guadeloupe, tout le monde qui t'a aimé Ibo, il faut nous immortaliser, Ibo, faut pas nous oublier. Très important. Donc tout ça qu'on a fait aujourd'hui, c'est en mémoire d'Ibo et nous allons essayer de rendre
qui est beau et pour toujours rester vivant dedans. Ouais. Madame Jeanne. Oui, mais moi je salue la mémoire d'Ibo Simon pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il nous a enseigné et tout ce qu'il a pu laisser derrière lui afin que nous puissions suivre le chemin qu'il nous a tracé. La vie est si belle, le jour est si beau, je ne veux